Bonjour, bonjour. Alors voilà, je vais vous présenter l'élevage des poissons d'argent. Donc ce sont de petits insectes utilisés récemment pour nourrir les amphibiens et les reptiles. C'est assez peu courant. Donc voilà, ça s'élève un peu comme les grillons. Donc comme cachette, on utilise des cartons d'œufs et aussi des petits bouts de carton. Alors comme substrat, c'est de la tourbe blonde. Donc ça évite le développement des champignons et des bactéries. Alors comme nourriture, là ce sont des pissenlits séchés. Il y en a en permanence. De temps en temps, je mets aussi un petit morceau de fruits, un petit morceau d'autres légumes. Alors toutes les semaines, je mets 2-3 croquettes pour chat, pour assurer l'apport en protéines. Alors pour boire, donc c'est une petite bouteille coupée en deux, dans laquelle il y a des mousses filtrantes aquariophiles. Ça évite aux poissons d'argent de se noyer parce qu'ils se noient très facilement. Il faut éviter de mettre de l'eau sans rien parce qu'ils vont se noyer. Et alors pour faciliter aux jeunes de boire, il y a aussi une petite mousse blanche imbibée d'eau que je dépose directement sur le fond. Alors voilà, en gros, l'élevage des poissons d'argent. Dès qu'on commence, il faut ensuite attendre environ 6 mois avant de pouvoir piocher parce que c'est un développement assez lent. Ils sont ovovivipares. Et il faut les maintenir à une température d'environ 44 degrés. 40-44 degrés. Voilà, à bientôt pour une prochaine.